Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Minecraft et toujours avec Pépézilla. Qu'est-ce que je fous là, moi? Bah c'est ton rayon, les bouquins. Merde! C'est moche, ça pue. Oui, d'accord, c'est nul les bouquins. Allez, on casse tout! Bon, enfin bon. On n'est pas là pour ça. Alors, ne vous étonnez pas si vous trouvez pas la Pépévision, il n'y a que moi qui filme pour cet épisode et sûrement pour l'épisode d'après. Tout simplement parce que ça va être notre objectif est de créer des potions pour pouvoir aller dans le Nether pour aller buter du squelette noir, c'est ça? Oui. Par contre, l'épisode d'après, si on va dans le Nether, je filme aussi. Ah, okay. C'est juste les potions, c'est pas trop mon rêve. Ok, autant pour moi, c'est parce que vu qu'il va rien faire, c'est vrai que vous verrez pas grand chose. Alors que si vous voyez que ma vue, vous verrez mieux. Bon, alors, objectif, c'est créer des potions de résistance au feu, bien évidemment, et pas que les plus faibles, hein, parce que sinon... Je te rappelle quelqu'un. Oui, oui, exactement. Ouais. Je me rappelle quelqu'un, oui. T'es con. Alors, il faut faire des potions de résistance au feu, pour pouvoir... Parce que dans le Nether, on aimerait bien se faire un petit peu trempette dans la lave, quoi. Ouais, voilà, c'est fun de faire trempette dans la lave. On va nager dans la lave. Ensuite, une potion de rapidité, ça sort pour moi, parce que courir vite, ça va être marrant. En cas où il y a des gaz, ça peut trop près. C'est son truc, ça. Voilà, j'aime bien fuir. Et puis, c'est pas moi, c'est pas mon serveur qui a eu un message du genre « Sligamer court trop vite et ça cause des problèmes ». Tu causes des problèmes. T'avais pas eu un truc comme ça, un message ça. Si, si, mais pas que pour ça. Ah bon, mais pourquoi aussi? Parce que je bouge trop. Oui, tu bougeais trop. Bah oui, je suis comme ça. Alors ensuite, potion de rapidité, potion de santé pour pouvoir se guérir en une potion, ça peut toujours servir en cas de mort presque imminente. Hein. Et suivi de potion nocturne qui va nous permettre de faire des potions d'invisibilité pour pouvoir... passer sous le nez des ghasts sans qu'ils voient rien. Voilà. Et donc c'est parti pour créer des potions. Donc il faut démarrer en faisant des petites fioles que vous voyez là, en faisant... se craft ici en mettant 3 cubes de verre comme ça, clac clac clac, et c'est bon. Alors les potions d'eau, j'en prends quelques-unes, et je vais en prendre, bon je vais prendre toutes les fioles de toute façon, j'ai, voilà. Alors pour remplir les fioles, c'est simple, hein, il faut ces petites marmites, et hop, clic droit, les potions se remplissent toutes seules, blablabla, talalalala. Voilà, t'as plus qu'à remplir. Super, merci, bonheur. Ouais, je sais que t'adores ça. Je suis heureux. Voilà, donc il faut... T'as rien vu. Si, j'ai vu. Je me suis dit, mais depuis quand une fiole arrive à mettre autant de flotte partout? Donc, toutes les potions que je vais créer ont la même base, c'est-à-dire une potion comment déjà? Potion étrange. Et pour faire les potions étranges, il faut des verrues du Nether qui se trouvent... c'est pas là, c'est pas là... Est-ce qu'il a foutu ses verrues, lui? C'est là. Hop. Donc, dégage. Oust. Non. Dégage, tu vas te brûler les pattes. Je suis le centre d'attention. Bien sûr. Alors ici, il faudra tout simplement mettre la verrue du Nether. Hop. On va peut-être en mettre qu'une, ça suffira à mon avis. Bon, on va en mettre plus au cas où. Mettre la boîte. Bien. Allez, voilà, la moitié. Fais la quête de la potion en premier. Les potions étranges, je suis obligé de commencer par ça, c'est la base pour pouvoir faire les potions en général. Où est-ce qu'il va? Je vais parler au golem. Il est pas content, il doit taper quelque chose. Ouais, il tape toi. Non, non, il doit viser quelque chose dehors. C'est trop près de la fenêtre. Oh là là, moi je retourne bosser. Ah là, les potions. Voilà, malsaine, ça c'est pas la même traduction que dans le wiki. Maintenant, ce qu'il a foutu là. Là, alors je vais reprendre toutes les potions. J'en profiter pour en faire deux, trop, parce que je n'ai pas fini. Il me faut énormément de potions du genre. Tac, tac, tac. La 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 la. Potion d'eau, potion d'eau, potion d'eau. Voilà, tu peux remplir les trucs quand t'es prêt. Alors. Ah putain. Là, potion malsaine, potion malsaine. C'est juste, mets pas trop de vent. Parce que... Après, ça clique sur toi. Il faut les foutre de l'eau. Potion malsaine, potion malsaine, potion malsaine. Flotte, flotte, flotte. Ta 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 la. Potion malsaine, potion malsaine, potion malsaine, tac tac tac. Qu'est-ce qui cause lui? C'est tout. Hein? Rien. Qu'est-ce qu'il dit lui? Hein? Hein? Ta gueule. Mais je t'emmerde. Peux-tu le comprendre ça? 1, 2 et 3. Donc bon voilà, alors 1, 2 et
plus 3, voilà, il me reste plus qu'à me foutre les 4 potions d'eau là. Et voilà. Et en fait, je viens de remarquer que j'en ai plus que prévu. Donc c'est bon, j'ai des potions, ma chaîne partout. Tu peux mettre de l'eau là et là. Des fioles d'eau. 4 fioles d'eau, 3 fioles d'eau là, 3 fioles d'eau là. Pourquoi? Bah c'est pas compliqué, tu remplis juste avec de l'eau. Pour faire plus de fioles étranges. Non mais 3 suffit. 3 là et 3 là, 6 ça suffit. C'est au cas où tu me le redemandes. J'en fous 3 là pour pouvoir avoir de la place, pour pouvoir le faire ce que j'ai besoin. Là j'ai pris de la. J'ai créé des potions d'avance, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qui me permettra, voilà, d'être tranquille pendant que je manipule la suite. Là. Tu veux faire tant que ça, non mais c'est bon, arrête d'en mettre, je crois. Ah bon. Je suis en train de faire le vide justement pour pouvoir faire passer à la suite et t'en rajoute encore. Putain, là je suis bourré de potions qui sert à rien. Mais ça sert jamais à rien. Ça servira pour quand on va se refaire un dragon, une fois. Ouais, je sais pas quand. Ce sera pas trop. Surtout quand on s'en est déjà fait plein la dernière fois. D'ailleurs, faudra que je la finisse par la monter cette vidéo parce que ça fait un moment que je l'ai. Tac, 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 voilà, je récupère les verrues du Nether non utilisées. Putain, j'en ai utilisé un paquet en fait. Ah non, ça va, en fait, j'en ai utilisé que. Ah si, un petit peu, ça va encore. Hop, voilà. Ensuite. Du Nether, ça pousse comme pas possible, c'est bien. Alors, il n'y a plus qu'à remettre les potions malsaines. Il faut encore de l'eau? Non, non, pour le moment, c'est bon. Bah, rempli si tu veux, mais. Ouais, ça fait plus classe. Mais pour le moment, j'en ai pas. Voilà, je repose les scènes. Et c'est parti maintenant pour créer la plus importante, à mon avis. Pour le moment, c'est la résistance au feu. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, premier truc. Machin, on va pas dans le Nether sans ça. Voilà, donc faut faire de la crème de magma. La crème de magma. Crème. Elle est au-dessus de moi. Là. De moi. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Alors, la crème de magma, c'est une fusion entre les boules gluantes et les poudres incendiaires, comme ici. Je vais en faire ça, ça suffira largement hein, à mon avis. Hop, hop, boule de magma, crème de magma, magnifique. Et il restera plus qu'à foutre, boum, une boule là. Boum, une boule là. Une boule là. Et une boule là. Voilà, la potion se produit. Ah, magnifique. On dirait que ça marche. Ouais, oui, t'inquiète. Ben, en fait, je suis le wiki. Si c'est pas ça, c'est que je peux pas la monter non plus. Et après, pour rendre la potion plus intéressante, voilà ce que c'est, vous voyez. Potion de résistance de feu, 3 minutes. Mais pour rendre la potion plus intéressante, il faut rajouter de la redstone. Redstone, 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 redstone. C'est pour le temps, la redstone, c'est ça? Temps ou bien améliorer la performance, je sais plus. Je l'ai noté. Ok, ça, on verra bien. De toute façon, performance ou rapidité, c'est bien. De toute façon, la plupart du temps, il faut rajouter de la redstone pour améliorer l'efficacité. Et une résistance au feu, c'est déjà... Ouais, mais je veux dire, on verra. Je sais pas. Après, voilà, améliorer ça, c'est le feu qui nous régénère, quoi. C'est... Voilà, après, allez, cuit, 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 cuit. Comme l'oiseau. Je mange mon burger, j'ai rien vu. c'est normal, j'ai parlé. Ah là, voilà, 8 minutes, potion résistance au feu, ça va? C'est nickel. Tu peux te servir, parce que je sais pas quoi en foutre maintenant. Tu peux en prendre. Tu peux les ranger dans un coffre, hein, si tu veux. Oh mon cul. Alors là, je pense qu'on a suffisamment de potions de résistance au feu, je pense. Hein? Ouais, peut-être. Ouais. T'en ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller, ouais. Parce que 8 minutes la potion, ça va. Je sais pas combien de temps on va passer en Nether, en fait. Bah, on est deux... 8 minutes, là j'en ai fait 12. T'en veux encore au pire? Non, c'est bon. Si on en refait, on le fera en ligne, c'est pas dramatique. Ok. On va passer à autre chose. Bon, la redstone, j'en ai encore besoin. Donc maintenant, on va passer à la potion de rapidité. Clac, 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 potion malsaine. Clac, 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 potion malsaine. Potion malsaine. Potion malsaine. Voilà.
Pour passer à la rapidité, il faut du sucre et de la redstone pour le prolonger, ou de la luminite pour passer à vitesse 2. Donc on va voir... On va faire moitié-moitié, je pense. Alors du sucre, le sucre. Où est-ce qu'il est le sucre? Et là, c'est le bordel ton truc. C'est toi qui arrange maintenant. C'est toi qui a foutu le bordel en mettant n'importe où. Alors, un grain de sucre. Vous voyez que c'est juste un grain pour faire trois potions, quoi. Donc, hop, c'est pas compliqué. Hop. Bon, c'est un petit épisode spécial, un peu tutoriel, hein, on peut dire. Y'en a besoin, des fois. Hein? Y'en a besoin, des fois. Surtout pour l'alchimie. C'est comme la redstone, c'est un des trucs qui est en général facilement oublié par les gens. Ah bon? Parce qu'il y a beaucoup de tutos sur ça, sur le net. Sur l'alchimie, j'en ai jamais vu, franchement. Ah bon? Jamais. Alors... Voilà, j'ai dû en voir un quand l'alchimie est apparue. Mais c'est tout. Après, c'est toi qui est peut-être pas intéressé non plus. Bah, même sans être intéressé, des tutos sur la redstone, j'en vois la blinde. Alors, l'alchimie... Bon, on verra bien. Alors là, j'ai fait de potions de rapidité normale. Donc, je peux l'améliorer, la prolonger avec de la redstone, ou bien la rendre plus efficace avec de la luminite. Donc, je vais faire moitié-moitié. Je vais faire deux trucs avec de la redstone. Voilà. Et deux avec de la luminite. Hop. C'est bien de la rapidité, hein. Ouais, j'ai cru que c'était une connerie. Et voilà. Redstone. Voilà. Potion rapidité, 8 minutes. C'est... Potion de rapidité 2, 1 minute 30, c'est moins long, mais c'est plus performant. Voilà, donc tu peux te servir, pépé. Ok. Donc les potions de rapidité sont prêtes. On passe à la suite pour les potions de santé. Alors les potions de santé, toujours la même base. Potion malsaine ou potion étrange selon... les traductions, on dirait. Tac, tac, tac. Tac, 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 et tac. Ensuite, après les potions, il nous faut de la pastèque scintillante. Alors, la pastèque scintillante, c'est là. Alors, pour faire une pastèque scintillante, il faut une pastèque et une pépite d'or. Vous alignez, et ça fait une pastèque scintillante. Tu me le confirmes? Oui, oui. Je pense même qu'on peut le poser un peu partout. Attends, regarde ça. Et voilà. Je l'ai fait comme ça, mais je suppose que ça doit fonctionner dans toutes les dispos. Ouais, ouais, tu peux le mettre partout, du moment qu'il y a une pastèque et une pépite, ça marche. Et voilà. Une fois tout mis, comme vous voyez, ça devient une potion de santé qui peut être améliorée avec de la luminite. Pop, la luminite. Hop, luminite. Alors, potion de santé, ça permet de gagner 3 cœur après l'avoir bu. Or, si on rajoute de la luminite, ça permet d'en récupérer 5 en un coup. Ce qui est plus intéressant. Magnifique. C'est magnifique. Moi, c'est pas trop mon truc. Bah, tu vois que c'est efficace, en fait. Voilà. Potion instantanée 2 qui permet de faire 5 cœurs. Voilà, Pépé, tu peux te servir. 1, 2, 3, il m'en manque 3. Tac, tac, tac. Tac. Il faudrait tester avec la redstone ce que ça donne. La luminite annule la redstone. Oui, et l'inverse plutôt. Si j'utilise de la redstone, ça va revenir une potion normale. Tu veux vérifier? Non, mais sur une potion normale. Je sais pas, tu comprends, je crois. Non. Mais je sais pas, c'est ce qui est écrit sur le wiki, quoi. Non. Ils sont bizarres ce wiki, de toute façon. Bah, pour l'instant, ça marche, alors c'est que c'est pas des conneries. Hein. Alors là, je suis en train de refaire des potions malsaines. Non, je rigole, le wiki est très très bien. Bah oui, je comprends pas pourquoi tu râles, en fait. Non, non, c'est parce que c'est le terme qui était noté, qui était bizarre. Là, là, là. Regardez. Et tu m'as repris de l'eau. Ouais, parce qu'il m'en manquait 3. Donc je suis en train de faire les potions malsaines, et maintenant on va faire la dernière étape, les deux. C'est les potions de vision nocturne. Qui va pas nous être utile pour le moment, mais en fait ça va nous permettre de faire des potions d'invisibilité parce que ça sera la base. Voilà, tout est fait. Donc pour faire les visions nocturnes, il faut des carottes dorées. Voilà, et pour faire que je t'ai laissé. Voilà, et pour faire une carotte dorée,
Il manque 8 pépites et une carotte. C'est relativement coûteux, mais bon. Pour une vision nocturne, c'est clair que c'est coûteux. Du moment qu'on se fait les petits cochons, ça va. Ouais, c'est vrai qu'on peut faire les petits cochons, un truc, ou bien prendre un lagot d'or et le couper. Et en plus, une carotte permet d'en faire 3, hein, de potions. Ouais. Bla 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 bla. Bla bla bla. C'est bon. Voilà. Potion nocturne, 3 minutes. Et à partir de ça, on peut créer la potion d'invisibilité avec des yeux. Ouais, oui. Des yeux d'araignée fermentée, voilà. Qui permet d'être. Qui se forme avec, voilà, attention. Un œil d'araignée, comme son nom l'indique, du sucre et un champignon. Avec ce petit symbole là, c'est-à-dire œil en premier, le champignon et le sucre à droite. Voilà. Et ensuite, on met le non-œil. Hop. De toute façon, je crois les que yeux, l'emplacement des crafts pour ces gens-là, ce genre de truc, ça n'a pas d'intérêt du tout. C'est du moment que c'est sur la table. T'es sûr? Bah ouais. En général, voilà. Non, ça se fait souvent. Ranger tout ce que j'ai utilisé et que je n'ai pas eu besoin. Là. Ouais, je confirme, tu peux leur montrer si t'as envie. C'est... Du moment que tu l'as sur la table, ça marche. Ok, bon bah s'il n'y a pas d'ordre, je te fais confiance. Et voilà le travail! D'instinct, je l'ai mis dans l'ordre qui était sur le wiki. Et voilà, et ça permet d'être invisible pendant 3 minutes. Tu peux te servir dans les potions. Yeah, ça c'est bon. Et je te propose de les essayer, mais une fois dans le Nether, ça sera peut-être ça va éviter de les. Oui, en fait, j'ai réfléchi. Ça évitera de les gaspiller juste pour. Il y en a pas tant que ça en fait. Hein? Il y en a pas tant que ça. Bah, je peux en refaire. Non non mais ça vaut pas le coup qu'on les gaspille quoi. Ça joue. Ouais. Là là, potion d'invisibilité. Ah bah ça va. Oh tu les ranges bien. Bah oui, je suis pas trop pourri à ce niveau-là. D'habitude c'est toi le bordelique hein. Non, je le suis aussi. Regarde ma salle des coffres, elle est très bien ma salle des coffres. C'est juste. C'est pas pourri. Je me paume quand même dans ta salle des coffres. Oui mais tu paumes partout aussi. Mais je t'emmerde, tu peux comprendre ça que je t'emmerde, hein, hein. Et voilà, on a passé toute la journée à faire de l'alchimie. Oui, c'est pas compliqué. Oh, tu t'es changé, magnifique. Bah oui, si on va dans le Nether, c'est... Yeah, moi je suis déjà changé. Prêt à taper. Prêt à taper. Alors, bon. Faut peut-être se servir maintenant dans les potions. La question, c'est si on y va maintenant ou si on y va après. Là, la vidéo fait pas loin de 18 minutes, donc on attend de commencer à y aller. Ouais, on va y aller. Mais on n'aura pas récupéré de tête de Wither, je pense pas. D'ici ce que... Bon, on y va pour tester les potions et tu reprendras le... Tu vas filmer pour le prochain épisode. Oui, ça je vais filmer, ça qu'on sait pas. Mais je m'en fais pas, t'inquiète pas. Je ne m'en fais pas. Je te jure, je vais filmer. Alors, tu fais... T'en as pris 4 potions de rapidité. Ok, hop, hop, hop. Attends, il y a un souci. Quoi? Vitesse 2. Les... Fais gaffe aux vitesses, elles sont différentes. Bah oui, j'ai fait les deux. Donc en fait il en faut 3 pour chaque. Ouais. Les 6 qui restent tu peux les prendre au niveau de la vitesse. Alors. Ouais, instantané normalement c'est pareil. Pour tout le monde. Rapidité, vitesse. T'es pas obligé de prendre tout le truc non plus, hein, parce que si tu veux aller chercher du matos, peut-être pas. Non, mais prendre on a le temps d'y aller, t'inquiète pas. Je vais faire comme ça parce que ça m'énerve toujours. Là, 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 là. Faut tuer du monstre à la chaîne là, maintenant ça va être. Tu vois. On va buter du monstre à la chaîne, c'est ça le truc? Ouais. Ouais, c'est de la baston. Ça va être fun. Ouais, tapé. C'est plus proche du génocide, je pense, mais bon. En fait ouais, là j'ai trop de potions sur moi quoi. Il me reste quand même à peu près 4 cases de libre. Hein. Moi j'ai pas besoin de plus. Hein. Bah s'ils commencent à nous filer des casques. Bon, d'un côté, si on commence à utiliser les potions, ça va se libérer au fur et à mesure. Mmh. Ok. Eh bien. Je suis pas. On y va, merde. Ouais. Par contre, j'enregistre quand? Bah soit au prochain épisode. Moi j'enregistre au prochain épisode, hein, les gens, vous aurez la suite la prochaine fois. Voilà.
Et vous aurez mal aussi. Hein? J'ai la flemme. Oui, bah, c'est pas que t'as vraiment la flemme, c'est que ton épisode ferait que 3 minutes. Oh, oups. On peut le changer, ça, hein? Il y a un souci, là, je crois. Non, je te vois. Non, c'est au niveau du mur. Ouais, il y a un petit truc. Mais quand t'es sorti, ça va. Oui, c'est vrai qu'on est plus à 100. Ah ouais, on est à 232 à l'heure où on enregistre. On était à 233, mais on en a perdu un. Il a dû se paumer. Tu vas pas pleurer. Non, c'est pour ça que je dis qu'il a dû se paumer. Il fait ce qu'il veut, hein, si il monte. C'est que ça me fait rire, il y a des trucs qui font marrer. Quoi? Bah du genre, ceux qui... T'sais, tu reçois un mail, fait, machin, c'est abonné à votre chaîne. Alors tu vas voir, et pile quand, tout juste quand t'as reçu le mail, c'est déjà désabonné en fait. Il s'abonne, mais il se désabonne de juste après ça, en moins d'une minute, c'est ça qui me fait rire. J'ai déjà fait, mais c'est parce que j'avais cliqué accidentellement sur le abonné. Ah mais quand ça t'arrive souvent, tu te dis, ouais, y a un petit souci là. Oui, tu arrives pas, je suis déjà passé par ici. Oui, oui, de toute façon, je sais très bien. Je vois très bien que tu n'es pas paumé, contrairement à moi. Oh, de l'huminite. Oh, des... Couchon. Ah tiens, je suis passé par ici, moi. Oh, t'es déjà passé par où? Le Nether, tu connais par cœur. Non, là, j'ai commencé à plus me souvenir. Comment on fait pour remonter, après? C'est pas un souci. Bon. T'as un slash home? Moi aussi. Non. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai une plume. Oui, moi, parce que moi, je me suis pété la jambe, moi. Hein? Je l'ai pas pris, moi. Bah, pourquoi tu voles? Je vole pas. Si. Non. Bah, moi, je te vois voler, en fait. Voilà. J'ai entendu un ghast. Non, je te jure que non. Bah, moi, je te voyais voler. C'est un bug, là. Magnifique, bonjour. J'ai pas confiance. Coucou les cochons. Bon, on teste la potion de résistance au feu. Et on va prendre un petit bain de lave. Ah oui, il est là. Mon arc. Je bois. Bah... T'as peut-être pas buté le ghast avant? Non. Putain, il me flambe ce fils de sa mère. Alors par contre celui-là j'ai du mal à le viser parce qu'il a, il a le même principe que les creepers. Il est invisible. Quelle idée à la con de foutre des trucs invisibles. Je trouve ça marrant en fait, ça rend du défi. Il est visible seulement quand il tire. En fait je crois qu'il est tellement haut qu'on est incapable de toucher. Ouais j'ai l'impression aussi. Enfin toi remarque ta flèche est partie. Peut-être en visant super loin comme ça. Je zoome pour viser. Ouais bah là je pense que je vais faire pareil. Allez, ah non oh, putain. Putain, il commence à me faire chier, lui. Aïe bon, je vais nager, moi. Va nager. Tu reçois des dégâts? Non. On remonte à une fontaine de lave. C'est beau, c'est beau. Il faut juste... T'aurais jamais cru pouvoir le faire. Non, non. Il faut espérer aussi que la potion de résistance au feu ne soit plus désactivée quand on sera fini. T'as 8 minutes, je pense que c'est jouable. Allez vite. Les potions sont extrêmement fiables. Oui, là c'est de la fiabilité à 100%. 110% même. J'ai bien bossé quand même. Ouais ça va, tu t'es pas trop mal démerdé. C'est tout con hein, mais... On mélange. C'est comme la chimie, on mélange. Ça c'est la chimie que j'aime bien, ça... Tu mélanges. Tu prends deux trucs, tu le mets dans le pot, et voilà. Ah, c'est ça. La chimie que j'aime pas, c'est que tu dois essayer de comprendre pour ce que ça fait dans le mélange. Wow, quel punch. Il a laissé une larme? Bah je regarde justement, mais j'ai pas l'impression. Résistance au feu, 7 minutes, ça va aller. Je brûle encore. Hein, ouais, moi aussi. Ça reste bien cette merde. Tu vois qu'on va quand même crever quand 6 minutes après. T'as été là, regarde, t'as fait un phallus. Un phallus. Ah oui, mon petit phallus. Je suis tout petit, un chat. J'en ai fait quelques-uns d'ailleurs, il en reste quelques-uns. Bon, j'en ai marre de flamber moi. Je crois que c'est un bug, la simule. Ah mais toi et moi qui flambons en même temps, ça fait bizarre quoi.
C'est le bug, il est sur nous deux. Bah, j'ose que me déconnecter et me reconnecter, quoi, parce que... Oh, un manoir. Oh, un manoir. Je vais tenter. Ah bah non, c'est bon, je suis plus en feu. Ça va venir, toi. Ah, c'est bon. Par contre, c'est sombre. Ouais, c'est le risque pour toi. Pourtant, j'ai pas mis mon texture pack de base. Hein. J'ai ah, mis, t'as le... T'as oui. Le normal. Bah, oui, je te l'ai dit que je peux pas, que j'ai pas mis l'autre pour cause de petits soucis de... vu que je suis passé en 1.4.7, le texture pack n'est pas à jour, donc le feu, non, c'est pas le feu qui souci. Il y a certains trucs qui n'apparaissent pas. T'es prêt à mourir? Non. Parce qu'on va affronter la créature la presque plus dangereuse de Minecraft actuellement. Elle est là, regarde. Tu la vois? Non. Tu la vois? Tu non. La vois? Non. Elle est juste en face. C'est quoi? C'est mort. Ah, je l'ai même pas vu, hein. J'ai même pas pris de pioche en fait, j'ai réalisé. C'est un peu embêtant là. Tu peux t'en crafter une. Hein. Non mais t'inquiète, on va en retrouver d'autres, c'est pas trop grave. Non mais les pioches, je veux dire, tu peux t'en... Je vais passer, t'inquiète. Mais quel punch, pépé. Je te dis que le Kenshiro mode, il aurait été utile. Et je te propose d'arrêter cet épisode d'ici. Non, je vais y arriver. Oui, mais justement, tu vas y arriver pendant l'interlude entre les deux. Ok. Parce que je crois que t'as pas fini là. Mais si, il reste qu'un bloc. Ah non, merde, t'en as plein. Moi, je mange pas steak en attendant. Je me donne une pioche, hein, du brin. Caca prout. Donc, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous. Et on vous dit donc à un prochain épisode pour la suite de Minecraft dans le Nether. Mais attends! Non, je m'en vais pas! Espèce d'Exal. Pourquoi espèce d'Exal? Parce qu'il fait pareil. Il se met toujours devant? Oui. Ouais, c'est vrai que quand on filme, il fait... Ah, il y a encore une tête d'Exal. Bon, tu dis au revoir. Au revoir, désolé. Sorry, j'avais zappé. Eh oui, la politesse, hein, BPP, ça fait deux. Ouais, je suis mal poli, je suis un associable, je suis un connard. T'arrêtes de bouger. Ah, désolé. Tu veux voir ma tête? Oui. D'accord. Salut tout le monde. À plus.